Plutôt que d'utiliser des modèles anatomiques, l'exposition Hors Body utilise de vrais corps humains provenant d'un institut chinois dédié à la dissection des corps humains. Destinée à tous, cette exposition va littéralement sous la peau et révèle les mystères de l'anatomie de l'homme. Le but, il est d'abord pédagogique. Mon idée, ça a été de faire un pont entre les médecins, entre l'anatomie des médecins et le grand public. Je me suis dit que ce n'était pas forcément anormal que tout un chacun puisse voir comment il était fait, comment il fonctionnait. Et ce n'était peut-être pas nécessaire de garder l'anatomie comme un tabou. Les corps, les spécimens et les organes présentés dans Her Body, à corps ouvert, sont conservés selon un procédé connu sous le nom d'imprégnation polymérique. Donc les corps sont conservés normalement, comme toujours, dans du formol. Ils sont préparés, disséqués, et c'est ça le gros travail. Une fois que le corps est prêt, qu'on a bien mis en évidence ce que l'on voulait mettre en évidence, on injecte des polymères, on fait baigner le corps dans un bain de polymères, on le met en position de fonction si on veut lui donner une fonction, et quand on le sort de son bain, il va y avoir à ce moment-là une polymérisation au contact de l'oxygène et tout va se figer. Et quand c'est figé pour des années, et non seulement c'est figé, mais c'est aussi protégé des micro-organismes, des champignons, des infections et tout ça. Donc c'est vraiment une méthode de conservation très performante. L'exposition est divisée en 6 galeries qui présentent les différents systèmes organiques qui régissent notre corps. Chaque pôle montre à la fois des organes et des corps humains. Des légendes explicatives, des écrans vidéo et un programme audio-guide font que cette exposition a un réel rôle pédagogique, contrairement à d'autres présentations de ce type plus spectaculaires. Le fait qu'on découvre son corps, qu'on voit comment c'est fait, comment ça marche, ça dédramatise un petit peu tout ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Vous savez, les gens disent « j'ai mal là, qu'est-ce que c'est ?» et tout ça. Là, on découvre un peu son corps et peut-être qu'on dédramatise un peu tout ça. On voit que c'est une belle machine qui fonctionne bien. Her Body est présenté jusqu'au 10 mai à l'espace 12 Madeleine, en plein cœur de Paris. Puis du 23 mai au 23 août, l'exposition sera exposée dans l'Est parisien au Parc Floral. Plus de 30 millions de visiteurs dans le monde ont déjà vu une exposition anatomique à but éducatif.